Il a exprimé sa colère sur son compte Instagram. Ce lundi 4 avril, Alain Fabien Delon a tenu à mettre les points sur les i et les barres sur les t au sujet de certaines rumeurs concernant son père, Alain Delon. En effet, le jeune homme a publié plusieurs messages en story dénonçant ce qui se dirait au sujet de la volonté de l'acteur de mettre fin à ses jours à l'aide de l'euthanasie. Bon, d'habitude je ne fais pas ça, mais si est-il en train de devenir incontrôlable, commence-t-il par écrire en anglais. À bout de nerfs, Alain Fabien Delon s'emporte. Cela fait plus de deux semaines maintenant que je lis dans mes messages, sur des soi-disant magazines, et dans mes commentaires que mon père va mettre un terme à sa vie grâce à l'euthanasie. Si est-il putain de faux, explique-t-il. Selon lui, les propos de son père ont été littéralement sortis de son contexte. Si, à plusieurs reprises, l'acteur s'est montré favorable à l'utilisation de l'euthanasie pour mettre fin à ses jours, son fils précise que ce n'est pas pour autant que son père va l'utiliser pour mettre fin à ses jours. Il y a une énorme différence entre fils, dans le cas où je suis branché à une machine et dans le coma, je veux que tu me débranches. Ce qui, d'ailleurs, est arrivé, nous ne l'avons pas débranché, au contraire, nous avons décidé de le garder en vie. Alain Fabien Delon prêt à engager des poursuites judiciaires. Alain Fabien Delon demande ainsi à tous ses fans mais également à la presse de laisser son père vivre tranquillement ses derniers jours. Ces messages seraient un premier avertissement. En effet, le fils d'Alain Delon menace les magazines de poursuites judiciaires si ces derniers relaient des informations qui selon lui, sont fausses au sujet de la fin de vie de son père. Une mise au point très claire. Loading widget. We'll be right back.